Les événements enchaînent pour Pierre Palmade. Tout juste sorti de l'hôpital de Melun, en Seine-et-Marne, l'humoriste de 54 ans avait pris la direction du tribunal ce vendredi 17 février, rapporté BFM TV. Depuis ce mercredi 15 février, il était placé en garde à vue dans le cadre du grave accident de voiture survenu ce vendredi 10 février et dans lequel il est impliqué. Sa garde à vue étant désormais terminée, il avait donc été déféré devant un juge d'instruction et mis en examen. Comme l'annonce que nous, le comédien évite la détention provisoire et va être placé sous contrôle judiciaire, assigné à résidence et devoir porter un bracelet électronique. Si est-il lors d'une audience à huis clos que le juge des libertés et de la détention a annoncé cette décision. Pour rappel, le 10 février dernier, Pierre Palmade a été impliqué dans un terrible accident de la route. Alors qu'il se trouvait au volant de sa voiture, en Seine-et-Marne, il s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet un autre véhicule. L'humoriste a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite, un homme ainsi que son fils, âgé de 6 ans. Une enquête pour homicide et blessure involontaire par conducteur ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois a été ouverte. Les analyses toxicologiques ont également permis de révéler que l'ancien acolyte de Michel Larocque était sous l'emprise de cocaïne et de médicaments de substitution au moment du drame. Les deux fuyards également déférés le parquet de Melun cité par BFM TV a précisé que Pierre Palmade était présenté à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte des chefs d'homicide involontaire et blessure involontaire ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois par conducteur ayant fait usage de stupéfiants commis en récidive légale. Tout comme le comédien, les deux passagers qui étaient avec lui dans le véhicule au moment de l'accident, ont aussi été déférés devant le magistrat instructeur pour non-assistance à personne en danger. Ils ne sont pas mis en examen mais placés sous le statut de témoin assisté, comme l'explique BFM TV. Les deux hommes sont notamment accusés d'avoir pris la fuite avant l'arrivée des secours.